Depuis la découverte du phénomène sismo-volcanique, sismo-volcanique, il faut tenir compte de ses conséquences, en premier lieu la subsidence du Nil. C'est pour cela que désormais, on ne parlera plus de vigilance forte houle, mais de vigilance vague submersion qui prend en compte les impacts à la côte, ce qui est, du plan ORSEC, des événements météorologiques dangereux qui distinguent quatre niveaux de vigilance, vert, jaune, orange et rouge. Pour ce qui est des cyclones, il sera question d'alerte cyclonique. Cinq phases sont à distinguer qui vont de préalerte pour signifier qu'il existe une menace pour les territoires dans les jours à venir à la sauvegarde cyclonique pour dire que le phénomène est passé même s'il y a des dangers. En plus des alertes orange et rouge, il faut souligner une nouvelle phase, l'alerte violette. Il s'agit de désigner ici un événement d'une intensité exceptionnelle marqué par de fortes précipitations et ou des rafales de vent qui peuvent dépasser les 150 km/h. Retenez enfin que dès que les vents atteignent la vitesse de 120 km/h, l'alerte rouge sera déclenchée à Mayotte. Vous aurez alors 3 heures pour vous mettre à l'abri jusqu'à la fin du passage de la tempête.